Salut, c'est Martouf. Nous sommes ici au bord du lac de Neuchâtel. Il fait beau, les oiseaux chantent. La température extérieure est de moins 1 degré, donc il gèle. Le vent ici derrière est assez important, donc j'espère qu'on m'entend assez bien. Il y a 4 beauforts de bise, donc ça renforce encore la sensation de froid. Mais ceci ne m'empêche pas de faire du vélo, et du vélo couché tous les jours. Alors, comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvaises conditions, il n'y a que des gens mal équipés. Alors justement, j'avais envie de vous parler de mon équipement. Comment est-ce qu'il faut s'habiller pour faire du vélo couché tous les jours? Par vent, tempête, neige, pluie, tout. Alors, ici il fait froid, donc première chose, je prends mon foulard. Ici ça me permet de respirer de l'air chaud qui a été préchauffé à l'intérieur. Sinon j'ai de l'air glacial, parce que vous savez que ça demande beaucoup d'efforts de respirer violemment quand on fait du sport. Et donc, j'aurais le gosier complètement gelé si je ne mettais pas un foulard. Deuxième point, les lunettes. Ça me permet de voir une petite lumière orangée. Ce sont mes lunettes de ski, vous les avez reconnues. Mais ici, ça me permet également de pouvoir survivre dans le froid surtout. Ça protège aussi de la pluie quand il pleut, c'est pratique. Point suivant, des gants. Il faut absolument avoir des gants. Les gants, c'est indispensable. Vous touchez un guidon qui est complètement gelé. Si vous n'avez pas de gants, vous avez les doigts gelés. Et ça, c'est désagréable, vous arrêtez tout de suite. Puis, point suivant, la veste. La veste, c'est tout à fait normal. C'est une veste de ski, capuchon et tout, blablabla. Bla bla. Ensuite, petite astuce. Vous avez remarqué sur mon vélo couché, si je me couche dessus, attention, je mets les jambes devant. Et les jambes, eh bien, elles sont devant. Elles ramassent tout. Alors, comme elles ramassent tout, le vent... Et tout d'un coup, je me gèle les pattes. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la solution, c'est l'armée suisse qui me l'a fournie. J'ai enfin trouvé une utilisation aux élastiques de jambes. Pendant toute ma période dans l'armée suisse, je me suis demandé ce que ça pouvait bien pouvoir servir. Maintenant, je sais. C'est pour éviter d'avoir froid à vélo. Si vous voulez en savoir plus, martouf.ch. A plus!